Bonjour à tous, bienvenue dans Aurélie au pays des merveilles. Je mets encore cette musique comme support. Il y a des moments où j'ai besoin d'un support musical, un support de son. Il y a des travaux autour de chez moi et ça me perturbe. Ça me dérange quand je vis des... comme vous, des cycles de transformation. Et le dit l'expression canadienne, ça brasse. Ouais, je suis en mode brassage. Je viens vivre une magnifique expérience avec certaines d'entre vous. Métaphosis. Je suis en train de voir comment faire pour que vous puissiez y avoir accès si vous ne vous êtes pas inscrit. J'ai juste à mettre en place des trucs techniques et puis venez vers moi si vous voulez que je vous y inscrive. C'est hyper rapide, c'est juste que je suis dans le mode essorage et expansion en même temps. Donc il y a plein de nouvelles choses et j'aime me poser aussi pour poser des intentions claires avec mon entreprise. Elle et moi, on voyage et elle me pousse aux fesses. Et puis ça brasse parce que je vous enregistre là le lendemain de l'enseignement du cercle de feu. Le cercle de feu, c'est mon offre phare et j'utilise pas ce mot par hasard. C'est un voyage et il est construit de manière pédagogique comme j'aime. Et en fait, un cycle, c'est un mois. Et le cycle commence par, en ce moment, hein, je verrai dans quelques mois, mais en ce moment, c'est le cas. L'enseignement commence par un enseignement. Non pas que je suis sur mon estrade et que, voilà, mais des enseignements, des transmissions sur peut-être des données du monde inconscient, des données que vous pouvez lire et voir dans le monde du développement personnel. Et moi, je n'en veux pas du développement personnel. Arrêtons de nous développer. Arrêtons de vouloir plus et plus. C'est un chemin de dépouillement. Un chemin de non. Non, ça, je n'en veux plus. Non, ça, c'est plus moi. Et hop, c'est chaud, c'est chaud. Mais c'est là que je goûte à mon essence. C'est là où c'est facile et fluide. C'est là où je retrouve des gens que, quand je les vois, je me dis « Oh yes, c'est bon ça. » Je peux être totalement moi. Et ce que je leur disais hier, c'est que quand je suis avec elles, elles le savent comme quand je suis dans cette posture d'autorité, de mentor, elles peuvent pas me raconter d'histoire parce que je goûte à leur essence. Et elles, c'est pareil. Elles savent très bien quand je tourne autour du pot, que ça devient très mental ou un mental inférieur, vous voyez. Je suis pareil. Et un voyage de 7 mois, ça s'improvise pas. Et hier, on a parlé de croyances. Mais comme je leur ai dit, ça va venir me chercher aussi. Donc les filles, si vous écoutez, ben, ce matin je me réveille avec non pas un brouillard, je suis en plein milieu de l'œil du cyclone. Et je me dépouille encore et encore et je vois certaines croyances et je les aime. Parce que je les sens, je les vis et ce sont des amis d'expansion. Parce qu'elles savent très bien, elles et moi, on sait très bien que c'est la fin. Alors, je les aime, je les prends dans mes bras. En fait, ça brasse parce que je suis déjà au nouveau niveau d'expansion, si on peut parler de niveau.
Pour moi, c'est comme une sensation que j'ouvre encore, encore, encore plus mon corps. Et je deviens de plus en plus, de plus en plus solide. Et j'ai pris le micro, non pas pour vous chanter une chanson. On peut terminer les giboulées de Mars, s'il vous plaît. Parce que j'ai eu une réflexion. J'allais préparer l'enseignement de Yogi Mind et puis en fait ça me disait non, il y a quelque chose qui est là. Donc j'ai pris le micro. Ça va pas être long. Mais c'est un conseil que je prends pour vous, pour moi. Est-ce qu'on peut arrêter de se focusser, de se concentrer sur je dois travailler sur moi, je dois travailler sur ça parce que ça va pas. Juste en vous le disant, je suis contractée dans les trapèzes, ça me fait mal derrière les yeux et je suis fatiguée. Je suis pas dans mon bassin, je suis pas dans l'aimant d'amour. Je reviendrai vous parler de ça. Ça m'est venu cette nuit. Parce que là, les filles, les gars, n'importe qui vous êtes de l'autre côté, quand on veut encore travailler sur soi, ça va pas, je serais mieux sans. Quoi ? Tu te dichotomises, c'est pas un vrai verbe. On se sépare, on est encore dans la désunion, la défragmentation et dans la performance. Stop. Quand vous voyez aller là-dedans, stop. Stop. Parce que ça vient amener aussi du désamour envers vous-même. Parce que on parle de croyances, on y va. Dans mes croyances, pour les filles du cercle de feu, vous savez, pour moi, c'est plus profond, c'est dans l'énergie source, donc c'est derrière la croyance. Dans ce que je ressens, dans ma métaphysis à moi, c'est que Aurélie est venue expérimenter la vie à travers donc un personnage qui se regarde. Donc il y a mon âme, il y a mon soi supérieur relié à la source et donc à vous. Et puis j'ai choisi ce corps, j'ai choisi cette vie, cet espace, ce temps. Et puis vas-y Aurélie, t'as ton libre arbitre, qu'est-ce que t'en fais? Mais je suis aussi reliée à mes différentes lignes temporelles. Donc là, par exemple, je vous parle, j'ai 43 ans. Mais en même temps, je peux ressentir la Aurélie collégienne et lycéenne. Voilà ce que je perçois dans ma matière. Je prends le temps. Vous pouvez prendre le temps avec moi. Et je ressens aussi une Aurélie du futur. Et quand j'ai une pensée, une action, une vibration qui vient installer la musique de Aurélie, ça c'est pas bien. Aurélie, faut que tu changes ça. Eh bien, je viens faire de la peine. C'est ce que je ressens juste en ce moment. Je viens faire de la peine à la collégienne et à la lycéenne qui faisait tout pour être parfaite, pour être aimée. Parce qu'elle est présente dans mon champ en ce moment. Alors, plutôt que de la rejeter, je viens la prendre dans mes bras. Et oui,
il y a ça. Au lieu de dire, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui est saillant dans mon chant, il y a ça qui est sensible dans mon chant. Viens par là que je te prenne dans mes bras. Le chemin de dépouillement que je fais, que vous faites peut-être avec moi, c'est un chemin de retour à soi, un chemin de remembrance. On rapproche tous nos membres, c'est tout le travail d'Isis ici. Je rapatrie toutes les parts de moi et je soigne la blessure de rejet parce que personne d'autre que moi n'est en train de me rejeter. Je ne travaille plus sur moi. Je danse avec moi. Et je me regarde avec amour. Et je viens goûter la substantifique moelle de ce message. À travers cette zone sensible se révèle ma lumière, mon potentiel illimité d'amour de moi, de l'autre, du monde. Alors cessons de rejeter les parts de nous, embrassons ces parts qui ne demandent qu'un regard, qu'une embrassade. Je laisse ces fréquences se diffuser jusqu'à vous, jusqu'à moi. Diffusez ce podcast à qui de droit. Allez-y, répondez. Dites à ces gens d'arrêter de travailler sur eux. Rejoignons-nous dans ce cercle de conscience, un cercle de lumière. Et si vous souhaitez que je vous accompagne, si vous souhaitez entrer dans un groupe de conscience, un chemin d'amour, un chemin de révélation de toutes vos parts, de révélation de votre magie, dans la simplicité et la fluidité. Si vous souhaitez que je vous regarde bien au-delà, profondément, de cœur à cœur, entrez dans le cercle de feu. Il me révèle chaque jour sa magie à travers les transformations de mes clientes, mais de moi aussi. Faites le pas. Prenez rendez-vous avec moi et surtout avec vous. Je ne fais aucune promesse, mais ce que je vois dans la vraie vie, ce sont des femmes qui entrent dans leur espace-temps de vérité. Dans leur puissance de reine, à leur fréquence, à elles. Et oui, il y a un avant et il y a un après cercle de feu. Je veux que le monde goûte à cette essence, à cette fréquence d'amour, de simplicité, de dépouillement. De l'autre côté, au sein du cercle de feu. Je vous embrasse très fort. À très bientôt.